fera une apparition au Super Bowl, pas pour chanter, semble-t-il, mais pour encourager les Chiefs. Bien, fera-t-elle cette apparition? Ça, c'est la question que tout le monde se pose, ouais. Michel, parce que l'enjeu, c'est qu'elle a un concert qui est prévu la veille à Tokyo pour sa tournée Eras. Donc, la veille du Super Bowl qui est prévu, lui, à Las Vegas le dimanche 11 février. Donc là, tout le monde se dit, est-ce qu'elle va avoir le temps de se rendre? Est-ce que Taylor sera là pour encourager Travis Kelce, son amoureux, comme elle l'a fait hier contre Baltimore? Bien, la réponse se trouve dans la série West Wing, dans un épisode qui date de 2001, qui a été repartagé sur les réseaux sociaux, où il y avait exactement le même enjeu pour un politicien. Sera-t-il capable de partir de Tokyo pour se rendre à Washington? Bien, c'est la même réponse. La réponse, c'est oui, parce que le décalage horaire joue en sa faveur. Elle est de l'autre côté du monde, mais en faisant un vol de presque 12 heures, bien, c'est en quelque sorte un retour dans le temps. Donc, elle va arriver et elle aura même le temps d'avoir une nuit complète de sommeil avant le Super Bowl pour encourager son amour. D'avion pour aller voir son chum jouer au football. C'est quoi l'empreinte écologique de ça? La question se pose. Ouais. Merci.